Moi, je suis Éric Jeuneau, j'ai 38 ans. Je suis infirmier de formation et puis depuis ces 2 dernières années, je suis ce qu'on appelle un chef de mission pour MSF et notamment basé au Yémen. À force de pratiquer cette responsabilité, ce travail, j'ai voulu approfondir mes connaissances, non pas pratiques, mais mes connaissances théoriques sur cette analyse de contexte via un master en relations internationales. Je me suis pris de passion pour le Yémen et ça, je crois que c'est important. C'est ce qui a aussi était un élément déclencheur pour vraiment mettre en place ce diplôme. Ce qui me paraît plus important après cette formation, peut-être poser de meilleures questions aux intervenants, aux leaders politiques, aux leaders tribaux. Connaître aussi des méthodes de négociation, avoir des connaissances théoriques sur comment la diplomatie fonctionne pour pouvoir, nous, manœuvrer et adapter nos opérations sur le terrain. Je pense qu'il y a un impact qui est à plusieurs niveaux, lorsque la Fondation accepte de financer un expatrié pour une formation universitaire, on développe les capacités d'analyse, de travail de la personne. On adapte nos activités médicales dans une société donnée, dans un environnement donné. On stimule également nos collègues sur le terrain à ce type de questionnement. Donc il y a vraiment, je dirais, un triangle de bénéfices au niveau de cette fondation, pour la Fondation et pour Médecins sans frontières.